Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les gars, aujourd'hui je vais faire une vidéo qui va être importante. Je dis ça à chaque fois comme vous le savez, mais cette vidéo va être particulièrement importante. Comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo va concerner quelque chose qu'on a tous déjà vécu. Quelque chose qu'on a vécu, que ce soit dans la vie du quotidien, c'est-à-dire dans vos relations, au travail, dans la rue, n'importe où. Cette vidéo va concerner donc le sujet de comment réagir face à une provocation. Comment réagir lors d'une confrontation avec quelqu'un? Et pourquoi cette vidéo est importante? Car vous savez tous comment on est. Vous savez tous cette sensation, cette pression, cette adrénaline qu'on a lorsqu'on est en confrontation, lorsque quelqu'un nous provoque. La gorge qui commence à se nouer. On n'arrive plus très bien à réfléchir. On a des bouffées de chaleur, on commence à transpirer. On a du mal à parler, on bégaye. Et bien du coup, maintenant, grâce à ces conseils que je vais vous donner, vous allez pouvoir enfin réagir comme un homme alpha dans cette situation. Et je suis très bien placé pour parler de ça, parler de ce sujet. Pourquoi? Car moi, j'étais extrêmement nul lors de ces situations-là. De base, moi, j'ai un caractère très impulsif. Ça veut dire que je pars au quart de tour. En tout cas, je partais au quart de tour. Dès que quelqu'un me provoquait, je rentrais directement dans son jeu. Dès qu'il y avait une confrontation, des fois, j'étais même tellement stupide que je me disais que si je ne répondais pas, et parfois avec la violence, ça veut dire que je me sentais inférieur au mec, que j'avais peur de cette personne-là. Du coup, toujours, toujours j'allais dans le conflit, toujours je rentrais dedans, ce qui m'a mis dans des problèmes énormes, qui m'a compliqué grandement la vie. Vous, grâce à ça, grâce à ces conseils-là, vous allez pouvoir éviter toutes ces bêtises. Et surtout reprendre le contrôle. C'est-à-dire vous allez vous contrôler et contrôler le monde qui vous entoure. Vous n'allez pas être influencé par les autres, par les mots des autres. Donc là, comme à mon habitude, je ne vais pas perdre plus de temps. On va attaquer directement le sujet. Ok les frérots? Donc la première chose à faire, elle est toute simple. C'est la base. Hein, c'est ça qui va donner le ton de la conversation. Et en parlant de ton, bah forcément, vous devez regarder un ton calme. Une voix calme, sereine. Les frérots, lors d'une situation de confrontation, si vous élevez la voix, ça va indiquer le résultat de celle-ci. Pourquoi je dis ça? Si une personne vous aboie dessus, et toi, tu fais quoi comme réponse? Tu aboies dessus encore. Tu cries. Eh ben, je vais pas t'apprendre quelque chose si je te dis que aucun de vous deux n'allait vous calmer. Au contraire, ça va faire une sorte d'escalade des événements. Ça va s'amplifier encore et encore. Vous devez, lors de ces confrontations, toujours avoir ce ton neutre. Ce ton ferme, mais neutre. Pour ainsi montrer que vous êtes confiant, que vous contrôlez la situation et que petit à petit, grâce à ça, vous allez diriger la conversation dans votre sens. C'est très important. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, même dans ma vidéo avec ne perdez pas le contrôle face à une femme, car on sait que les femmes, eh ouais, je vais le dire, ce sont les reines des provocations. Hein, avec les mots, elles savent bien manier ça, etc. Et parfois, c'est dans le seul but de voir ta faiblesse, de te déstabiliser. Je vous ai déjà donné le conseil avec elle. Lors de ces confrontations qui sont juste dans le but de vous, comme je vous dis, de vous blesser, ça sert à rien d'argumenter avec elle. La meilleure solution, c'est de partir. Mais avec les hommes, c'est l'inverse. Ça marche pas comme ça. Avec les hommes, il faut faire directement face, parce que ça peut que s'empirer. D'accord? Donc avec eux, vous restez impassible, avec un ton clair, net et serein. C'est important. Maintenant, deuxième chose. Et là, c'est super important aussi, car même si vous avez un ton calme, serein, il faut quand même avoir ce qu'on appelle le langage corporel qui va avec. Imaginez, vous parlez avec un ton, soi-disant, vous gérez la situation, mais vous êtes là, vous tremblez comme une toupie Beyblade. ouais, calme-toi, c'est top. Non, ça va pas le faire, ça va pas être crédible. On va croire que tu as peur, enfin, on va voir que tu as peur, c'est même pas, on va le croire. Donc les gars, il faut avoir une posture forte qui est accompagnée de ce ton. Épaules larges, buste ouvert, tête haute, tu regardes droit dans les yeux. Il faut que cette posture transpire l'assurance. Il faut qu'elle dégage cette assurance naturelle. C'est ce qu'on cherche. Et pourquoi je le précise? C'est normal. Parce que lors de ces confrontations, lors de ces provocations, beaucoup vont agir comme des bêtas fragiles. Hein, ils vont agir comme Monsieur Burns. C'est-à-dire, ils vont se poser comme un, se recroqueviller sur eux-mêmes et ils vont dire ah, calme-toi, s'il te plaît. En pensant qu'en agissant comme ça va désamorcer la situation. Mais non, comme je l'ai dit, lorsque vous agissez comme ça, vous montrez juste que vous avez peur. On dirait un peureux, et la plupart des mecs vont prendre avantage dessus. Ils vont prendre l'avantage dessus. Je vais vous rassurer une chose, les frérots. Enfin, je vais vous rassurer, je vais vous dire une chose.
Dans 99% des cas, les conflits restent verbaux. Hein, ça va rester avec des mots. Ça va pas aller jusqu'à des conflits, des altercations physiques. Donc n'ayez pas peur. Et surtout, surtout, ça reste comme ça lorsqu'on voit que la personne parle calmement et y a une posture forte devant lui. Il montre qu'il n'est pas prêt à se laisser faire et il est prêt à se défendre, donc. Ça va calmer l'ardeur de plus d'un. Donc agissez comme ça. Et oui, c'est comme la logique par rapport aux bullies. Vous voyez les bullies, les petits enfants à l'école qui embêtent d'autres. Eh ben ces bullies-là, en soi, ils attaquent toujours les personnes plus faibles, des personnes dans laquelle, par lesquelles ils savent que, qu'ils vont pas se défendre car ils ont trop peur. Même eux, ces bullies, veulent pas se battre tous les jours. Donc ils vont pas prendre quelqu'un qui a une posture assurante. Quelqu'un qui parle calmement, qui montre que lui, il est là, il va se défendre quoi qu'il arrive. Ah ouais, il va pas se dire non, si je veux l'emboîter lui, je me battre tout le temps. Donc voilà, vous cernez à peu près ce que je voulais dire. Donc gardez une posture forte, forte, puissante, avec un ton serein. Déjà, ça, c'est la base. Donc là, j'ai expliqué, entre guillemets, les aspects physiques. Dans la troisième chose, là, on va parler de l'aspect à peu près concret. Comment réagir concrètement lorsqu'une personne vous provoque? C'est encore une Et fois là. basique, c'est de réfléchir avant d'agir. Pourquoi je dis ça? Hein? Non, tais-toi, ferme-la. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je le précise? Car lors d'une confrontation, lors d'une provocation, souvent la logique, elle saute par la fenêtre. Le taux d'adrénaline, tellement qu'il monte, on a du mal à réfléchir. On dit n'importe quoi et parfois on réagit à chaud. C'est-à-dire qu'on veut répondre directement, immédiatement. Et c'est là qu'on fait des actions, qu'on dit des choses qu'on va regretter. Il faut réfléchir, écouter ce qu'il dit, réfléchir pour pouvoir après argumenter tranquillement. C'est ultra important ça, les frérots. Lorsque tu réfléchis, déjà tu te calmes. Et après, en même temps, tu peux cerner mieux le problème pour dire des choses qui concrètement vous permettent de résoudre la situation. C'est comme dans un débat. Dans un débat, lorsqu'une personne attaque, parle rapidement, dit ta ta ta, enchaîne une personne, tu crois que la personne en face, elle est morte, mais non, elle réfléchit pour ensuite dire une phrase assassine qui va clore le débat. Et moi, c'est à ce niveau-là que je veux vous aspirer. Maintenant, lorsque je dis écouter, réfléchir et après parler, commencez pas à réfléchir pendant 30 minutes comme si vous étiez en train de méditer. Non, réfléchissez un petit moment, prenez un peu sur vous. Hein, ne soyez pas ce mec touché dans son ego qui dit attends, 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 je peux pas laisser passer ça, j'attaque directement. Non, écoutez, des fois ça peut faire mal. Mais voilà, c'est ultra important. Vous connaissez le proverbe, hein, il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Et ben c'est exactement ce qu'il faut faire. Enfin, tu vas pas tourner ta langue, hein, enfin, tu as compris parce qu'il y a des mecs bizarres, je le précise, mais tu vas juste te poser, comprendre et après parler. Voilà, ça c'est simple. Maintenant, la quatrième chose. Lorsque vous allez répondre, ne surtout pas faire d'attaque personnelle. Pourquoi je dis ça? Je sais que les attaques personnelles, c'est souvent tentant. En face, tu as envie de critiquer le physique, critiquer la personne. Mais non, ça, c'est des coups qui ne sont pas acceptés. C'est comme dans la boxe, dans les sports de combat, je veux dire. Les coups en dessous de la ceinture, ça fonctionne pas. Peut-être ça va faire rire un peu la galerie, mais tu vas juste mettre de l'huile sur le feu, augmenter la pression, enfoncer des portes. Et voilà, le conflit va juste grossir. Attaque sur le fond. D'accord? Lorsqu'une personne, je sais pas, dans la rue, va te regarder, ouais, pourquoi tu me regardes? Qu'est-ce qu'il y a? Si tu commences à vouloir le critiquer, enfin, ah, j'ai jamais vu un mec hein, aussi éclaté que toi, ou ouais, non, je sais pas, ta gueule me revient pas. Non, là, c'est, tu rentres dans son jeu. Tu vois ce que je veux dire? Il suffit juste de répondre d'une manière assez simple. Non, je te regarde pas spécialement, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Calmement. Et après, voilà, bon, après, dans cet exemple, ça peut être compliqué car si le mec, il veut vraiment s'embrouiller, voilà. Mais lorsqu'il voit que toi, tu réponds de manière sereine, bonne posture, et qu'en plus, tu réponds quelque chose de sensé, tout de suite, il va se dire, ah, peut-être que, non, peut-être qu'il va se calmer. D'accord? Donc voilà, ne jamais faire d'attaque personnelle. Et maintenant, cinquième chose qui va vous permettre de mieux comprendre et de mieux réagir, ce sera lorsque vous savez vous mettre à la place de l'autre. Tout simplement. Lorsque vous comprenez les intérêts de l'autre, c'est comme une négociation. Une confrontation, une provocation, c'est comme une négociation. Dès lors que vous captez les intérêts et pourquoi la personne fait ça, vous pouvez trouver un accord commun. Des fois, les gars, on va vous provoquer juste pour avoir une réaction.
de votre part. Alors, lorsque c'est ça qui cherche la personne, lorsque c'est ça que la personne en face cherche, ne réagissez pas. Prenez les choses à la rigolade. Montrez que ça ne nous atteint pas tout ce qu'il dit. Hein, ça ne vous déstabilise pas, ça ne vous fragilise pas. C'est la meilleure des réactions à avoir. Par contre, s'il continue, s'il force, là, il faut aller à la confrontation. Il faut aller lui dire, écoute, on ne se connaît pas assez, tu ne peux pas me faire ça, etc. C'est comme ça qu'il faut agir. Dans un autre cas, souvent, cette provocation, cette confrontation, elle est à l'origine d'une seule chose, d'une jalousie. On vous envie quelque part. Par exemple, je vais prendre des cas concrets, le jeune patron qui donne des directives à un employé plus âgé que lui. L'employé plus âgé que lui ne supporte pas ça. Le mec beau gosse en soirée qui attire tous les regards. T'as un gars, vous savez tout ça, vous avez tous déjà vécu ça. Un gars, lui, il aime pas. Il dit, attends, non, moi, je sais pas, attention, ce mec, c'est un gars, il va essayer de venir te voir, te tester. Et encore, pour ceux qui vont à la salle, qui sont assez balèzes, vous connaissez tous ce mec-là. Ce mec assez maigre, qui va à côté de vous. Ah, toi, tu fais ta série d'alter comme ça, tranquille. Lui, il est là, il fait du shadow. Il crie bête de fort et il te lâche des phrases en mode, oh, on n'a pas des gros bras, mais on a la patate, nous. On a la vraie force. Non, frérot. Tu vois, ces genres de mecs ridicules. Tu vois déjà, tu comprends déjà, alors, tu vois déjà pourquoi ils te font ça. Donc, tu peux t'adapter ton discours de cette manière pour apaiser les choses. Mettez-vous à la place de la personne et comme ça, vous allez réagir d'une manière beaucoup plus forte, beaucoup plus sensée et pouvoir apaiser la situation. C'est ce qu'il faut. Hein. Après, c'est vrai que dans 99% des cas, ça se termine au verbal. Dans 1%, hein, si le mec commence à vous prendre par le col, à vous faire une petite attaque physique et tout, gardez un bras de distance. Un bras de distance. Hein. Commencez pas à faire comme les mecs qui, quand ils sont bruits, se collent la tête comme ça. Non, non, non. Gardez un bras de distance. Et voilà. Comme ça, s'il y a un truc qui arrive, bam, vous pouvez agir. Bon, bref, là, je commence à dire n'importe quoi. Les frérots, voilà les points que je voulais vous parler. Comment réagir face à une confrontation, face à une provocation. C'est le message donc que je voulais faire passer. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. J'ai envie d'aller plus en détail. Donc, je ferai toujours des parties 2 souvent à mes vidéos. Donc, voilà. Ne vous oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Road tous les 100K. Et il y a une prochaine vidéo qui arrive très rapidement. Donc mettez en commentaire ce que vous voulez voir par la suite. Le commentaire, for real, comme d'habitude, pour montrer que vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin. Rejoignez-moi sur Instagram. C'est là que je communique et c'est là que je réponds aux messages si vous voulez me parler, discuter avec moi. C'est très important. Et on se retrouve très bientôt. Vas-y les gars, peace.